Coucou les amis, c'est Marjo, Marjo Diamond Painting et ses petits achats en tout genre. Alors aujourd'hui, nous sommes le vendredi 28 avril. Il est peut-être 8h30 du matin. Et je vous prends pour une revue de toile, comme vous aurez pu le voir dans le titre de ma vidéo. J'ai terminé la toile Elf Girl. J'avais imprimé l'image, voilà, pour vous montrer à quoi elle ressemblait. J'ai découpé l'image pour pouvoir la mettre dans mon carnet qui vient de chez Fancels aussi. Hein, vous vous rappelez ce magnifique carnet, voilà. Je vais la mettre là, je l'ai pliée parce qu'elle ne rentre pas dans mon carnet. Donc, je mettrai tout ça là-dedans. Alors, passons aux choses sérieuses. Voilà l'image une fois diamantée. Alors, dites-vous que vous, ce que vous voyez n'est pas forcément ce que moi, je vois. Comme on peut le dire quelquefois avec mes chères collègues youtubeuses. Moi, ce que j'ai là, vous voyez, c'est pas forcément. Il me manque un. Il faut savoir que la toile est petite, hein. C'est une petite toile. Je sais plus quand est-ce que je l'ai commencé. Ça fait peut-être plus d'une semaine que je travaillais dessus, bien tapé, hein. Vous voyez, là, je vous remonte la toile. Encore là, vous le voyez relativement bien, son bijou de bras. Mais moi, je le vois très pixelisé. De toute façon, sur des petites toiles, on aura toujours un rendu pixelisé, ça, il faut en être certain, sauf pour certaines toiles encore. Là, on a un personnage, donc c'est pas évident d'avoir un super rendu sur des personnages, voilà. Ici, pareil, le bijou de tête, il se voit pas très très bien. Le papillon, j'ai pas toutes les nuances de couleurs que je voudrais avoir dans le papillon, mais bon, c'est pas grave. Après, moi, je n'ai pas le dessin de sa bouche. Vous, vous le voyez, mais moi, je ne l'ai pas. Et il me manque le dessin ici de son nez. Voilà. Là, vous voyez. Je baisse. Hop. Elle a comme un tatouage sous les yeux. Ben, je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas. Je ne sais pas où il est. mais après, franchement, voilà. Si ça va. Elle est jolie. Elle a des couleurs magnifiques. C'est une toile en diamant rond. Voilà. La colle, ça colle super bien. Oui, au niveau des déchets, je vous prends mon étui à lunettes et licorne. J'ai plus de boîte disponible là, de poubelle. Regardez les déchets, il n'y en a pas beaucoup. Je vais vous les prendre dans ma main. Vous voyez, hop là, on a vraiment, il y a des fois des couleurs qui étaient dans notre sachet, je les ai mis dans des déchets, mais c'est pas forcément des déchets. Là, on a un gros, vous voyez, après, franchement, ça va quoi. Hop, je rajoute. «
Ouais, voilà. J'allais dire où est-il? Il était passé là, voilà. Aïe, mon doigt. Voilà. Vous voyez, vous n'avez pas non plus grand déchet. Bon, ben, direction la poubelle. Ensuite, bon, j'ai diamanté à la pince. J'avais posé, il est magnifique hein, ce washi tape. Donc l'image là, voilà. Moi j'avais laissé tout en sachet. J'avais pas rangé dans des boîtes. Je voulais pas trop perdre de temps pour pouvoir montrer à la compagnie que je m'investis. Voilà. Les sachets étaient en sachet zippé. Si vous voulez revoir l'unboxing, je vous remettrai le lien de l'unboxing. Voyez, hein, il me reste vraiment des diamants. Il y en a vraiment pas mal. Et là, de l'autre côté, c'était une 23 couleurs. Hein. Regardez tout ce qui reste. On n'est quand même pas... voilà. Tout ça va aller rejoindre dans mon vase, les diamants. Voilà, je les mets dans mon vase. Donc... c'est une 23 couleurs, voilà. Il va falloir vraiment que je m'achète un classeur pour ranger les petites toiles, etc. Même les grandes, parce que... Donc voilà, au niveau de la brillance, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais alors là, là on ne peut pas leur, leur dire que ça ne brille pas. Ça a été celle-là. elle est sublime. Regardez-moi ça, quoi. J'adore. Dommage que dans les yeux, on n'arrive pas à détinceler cette étincelle-là. Vous voyez? On ne l'a pas trop, voilà. Mais après... là, vous voyez, elle a un piercing, une boucle d'oreille, là, je ne la vois pas, quoi. Mais ça c'est, on le sait que quand on a une petite toile, on n'aura pas un super résultat. Mais franchement, quand je vois ce que vous voyez à la caméra, waouh, quoi. Encore, ça va, quoi. Puis c'est vrai qu'un DP, on met pas le nez dessus, quoi. Moi, franchement, ça me va. J'ai rien à redire. Je tiens à remercier la compagnie Fancells pour notre collaboration. Ah, il y a un diamant en trop ici. Ça a glissé. Voilà. Oui, je tiens à remercier dans la compagnie Fancells pour notre collaboration. J'espère qu'il y en aura d'autres. Il me manque là maintenant juste une toile pour avoir fini notre partenariat. C'est vrai que le partenariat, j'ai essayé d'avancer pour vous montrer les résultats. Là, je vais entamer, enfin pas entamer parce que ça commence pas encore, mais... je suis inscrite sur le groupe de Mamselle et ses loisirs pour sur le thème multi-artiste. On est pas mal de personnes à s'être inscrit et il va falloir que je prépare les diamants et je vais travailler sur une certaine toile que vous verrez certainement dans les prochaines vidéos, si jamais je réponds à un tag ou si je fais un blabla avec vous, voilà. Mais écoutez les amis, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette toile, à me laisser un commentaire, je répondrai volontiers à tous vos commentaires.
laissez un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Et voilà. Voilà, voilà. Pour ceux qui ne seraient pas encore abonnés, n'hésitez pas. Voilà. Si le cœur vous en dit, bien sûr. Cliquez sur le petit bouton. Il doit y avoir un s'abonner par-ci, par-là, je ne sais pas. Activez bien la petite cloche de notification et il y a une petite barre où il y a marqué toutes et vous cliquez sur toutes. Comme ça, au moins, vous aurez bien toutes mes vidéos. Voilà. Ben, écoutez, les amis, je vous fais de gros bisous. Et vraiment, n'hésitez pas à me dire ce que vous, vous en pensez. Au moins, la boutique verra ce qu'il en est. Et voilà, c'est toujours bien d'avoir des critiques constructives, pas malveillantes, constructives, bien sûr. Je vous fais de gros bisous, les amis. Et voilà, ne serait-ce que dans la... dans les couleurs adoptées, voilà, moi je suis toujours, voilà, je vois quelque chose qui va pas au niveau de la bouche et du nez, je vous le dis, j'hésite pas, quoi, je vois quelque chose qui va pas dans la pixelisation, je vous le dis aussi, mais on le sait que dans ces toiles-là, elles sont petites, tout ce qui est question de proportion, voilà, quand c'est des toiles plus grandes et qu'on a des proportions bizarres, je le dis aussi, ne vous inquiétez pas, voilà. Je suis comme ça, voilà. Allez les amis, encore merci à la compagnie Fansells, merci à vous de m'avoir écouté et à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao les amis. Bisous, bisous.